te félicite. Trois valises pour le week-end, c'est du grand art. Je peux pas faire autrement. J'essaye, je te jure. Non, mais à chaque fois, c'est la panique. Je crois qu'on va surmonter ça. Je suis là. Ça va, tu te sens prête? Oh, ça va, c'est qu'un bac blanc. Qui compte pour le passage en terminale, je te rappelle. Je sais. Hé, tu fais pas d'impasse. Mais non, je ferai pas d'impasse, c'est la chose la plus importante pour moi en ce moment. Ouais, c'est ça, je te connais par cœur, toi. T'es une maline. Mais fais-moi confiance un peu, papy. Hé, je suis peut-être ton grand-père, mais arrête de m'appeler papy. Je vous signale que j'ai eu 15 à mon dernier contrôle. Ah, c'est bien. C'est bien 15. Tant 18. Mais c'est normal pour les parents de s'inquiéter un peu. Surtout qu'on trouve que t'es un peu dissipé en ce moment. J'hallucine. C'est vous qui me dites ça? Toi, à mon âge, t'étais quasi en taule et toi, t'étais enceinte. Touché. Ça va. Elle a du caractère, elle a dû hériter de toi. Super. Il paraît que ça saute une génération, donc si elle a hérité de toi, j'ai toutes les raisons de m'inquiéter. D'autant plus que je la trouve un peu bizarre en ce moment. Elle est pas bizarre, elle est amoureuse. Je l'ai surprise en train de fouiller dans ta chambre. Tu penses que c'est parce qu'elle est amoureuse ou parce qu'elle est bizarre? Et non, il n'y a rien dans tes poches non plus. Remarque, tout un week-end sans aucun moyen de paiement, ça nous aurait fait faire des économies. On le tente? Tu plaisantes? On est à 5 minutes de la maison. C'est trop facile de te faire marcher, toi. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais chez les parents de ton copain? Je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con. Allez, dehors. Passe-la-moi. Elle est belle, très belle. Allez, on remballe, dépêche-toi, vite, vite, vite. Vas-y, barre-toi! Repose, Tara. Repose ce que t'as pris. Fais pas le malin, j'appelle la police. Arrête! Arrête! Je t'ai dit de poser ton arme! Ah,
chez moi, à l'intérieur de la maison. Venez vite. De Grégory est mort. Si jamais ta mère apprend ça. Mais attends, tu vas pas lui dire? Attends, je sais pas si t'es consciente. Tu m'as volé les codes d'accès du système d'alarme que j'avais installé chez les Bria et tu t'es introduite chez eux par effraction. Mais j'ai rien pris. Parce que je t'en empêchais. Mais je te jure que j'allais rien prendre. T'étais là pourquoi alors? T'as intérêt à avoir une bonne raison. Je t'écoute. Pour les tueurs, t'es devenu un témoin gênant. Ils vont pas hésiter à t'éliminer. Évidemment, les flics, ils vont pas tarder à remonter nos empreintes. Ça va, je suis pas fiché. Ben moi, si. Ah oui, merde. Attends, on va où, là? J'appelle la police. Mais t'es malade s'ils t'accusent? Je passe un coup de fil anonyme. Mais tu disais qu'ils pouvaient remonter jusqu'à toi. Sauf si les flics retrouvent les tueurs avant. Qu'ils me trouvent. Je fais ça pour te protéger. Oh, tu me fais flipper, là. Tu veux que je te fasse flipper, vraiment? Quoi? Elle est où ta barrette? Elle est... Oh merde... Double homicide, un couple. Oui, j'arrive. Rue des Gravilliers? Oui, la Villa Bria. Oh mon Dieu. Ça te dit quelque chose? Oui, oui, je les connaissais, oui. Ma fille est amie avec leur fils, Grégory. Oh merde, c'est moche. Oui, le pauvre. Écoute, je me charge de la paix moi-même. Merci. Quoi bon tenir un journal? D'ailleurs, je veux pas parler de moi, je veux parler de Chaudel. Ça va pas? Si. La dernière fois que je les ai vus, c'était à la fête du lycée de Valais. C'est bête. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que Fabienne avait fait des gâteaux pour 20. Elle voulait toujours bien faire. Comme son mari. Et leur fils, toujours sur répondeur? Il doit encore dormir. Il a passé le week-end chez des amis à Bruxelles. Ma fille était verte de pas partir avec lui. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Greg, laissez un message après bip. Grégory, c'est encore Sophie, la maman de Vali. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Merci. Comment tu dis à un gamin qu'il vient de perdre en une nuit ses deux parents? Bonjour. Tiens, assieds-toi, on va se parler sérieusement.
Et elle est où, maman? Non, fais pas diversion. Je répète la question. Qu'est-ce que tu foutais chez les Briands? Tu cherchais quoi? C'était pour Grégory? Il compte tant que ça pour toi? En fait, on est sortis une fois ensemble. Une fois? Et depuis? Rien. Rien? Puis il m'envoie des signaux. Des signaux? Des signaux pour dire à quelqu'un que tu le kiffes. Tu kiffes? Que tu kiffes, que tu l'aimes bien. D'accord, et quel genre de signaux? En fait, par exemple, moi, quand je kiffe quelqu'un, je le regarde pas. Et c'est quoi le problème avec Grégory? Justement, il me regarde beaucoup en ce moment, donc il me kiffe moins. Et ça me fait peur. Ah, d'accord. En bref, tu l'aimes bien. Et t'as l'impression qu'il joue avec toi? Ouais, et en plus, je viens d'apprendre qu'il était avec une autre fille. Et comme t'en as marre d'attendre près de ton téléphone pour qu'il t'appelle, t'as été chez lui pour vérifier. T'aurais préféré que j'y aille pour voler? J'aurais préféré qu'il aille pas! Mmh. Ouais. Ah oui, d'accord. Très bien, je vous remercie pour ces renseignements. Au revoir, on vous rappellera. Tu sais le pire? Le massacre aurait pu être évité si Claude Briand n'avait pas oublié sa carte de crédit. Donc ils sont venus, ils ont surpris les cambrioleurs. Et ça a mal tourné. Enfin, ça nous dit pas pourquoi le système d'alarme n'a pas fonctionné. Ou alors les cambrioleurs connaissaient le code. Et les victimes? Ça expliquerait pourquoi ils ont aussi tué Fabienne Briand alors qu'elle était restée dans la voiture. Bon, on commence par quoi? J'ai déjà fait remonter la liste de tous les appels que le couple a passés. J'ai lancé une enquête de proximité et un appel à témoins. Je suis désolée, Grégory. Viens. Il n'y a aucun mot pour calmer ta peine, Grégory. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi et toute ma famille aussi. Si tu veux, tu peux venir à la maison. Elle s'occupera de toi. Et je te promets qu'on va très vite arrêter les meurtriers. Vous savez si mes parents ont souffert? Ils n'en ont pas eu le temps. Ils ont été tués à bout portant. Comment c'est possible? On pense que c'est un cambriolage qui s'est mal passé. La dernière fois que je les ai vus, je me suis disputé avec eux. Non, arrête, Grégory, arrête. Tes parents savaient que tu les aimais. Ils n'en doutaient pas une seconde. D'accord? Hop, on ne sort pas. Tu restes à la maison jusqu'à nouvel ordre. Mais ça va, il y a une chance sur un millier qu'ils nous retrouvent. Je crois que t'as pas bien saisi, là. Je te résume. Ils ont pas hésité à tuer. Donc ils risquent minimum 25 ans de prison. Et ils t'ont vu. Ils vont pas te lâcher. Tu penses bien qu'ils vont faire le tour des cafés à la sortie des lycées? Je sais. Bah si tu sais, alors. Allez, tu rentres. Et on ne râle pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te paraît ressemblant? Tu m'étonnes. Attends, touche pas, à cause des empreintes. Mais au fait, lundi, c'est mon bac blanc. Ah mais t'as raison, j'y vais pas, hein. Le bahut, c'est trop dangereux. Ouais, c'est ça. Écoute, lundi est un autre jour, hein. Pour le bac blanc, on verra. Et à partir de maintenant, tu fais attention à tout. Par exemple, là, ton blouson, terminé. Et pourquoi? Trop reconnaissable. Ça m'a coûté un bras. Ouais, mais ça peut te coûter la vie. Merde, ils nous ont déjà retrouvés. Laisse-moi faire. Oui? Lex Toussaint? Puis nous suivre, s'il vous plaît. Et pourquoi? Double homicide chez les Briands. Alex, vous avez certainement des choses à nous dire. Non, si ce n'est que je viens d'apprendre la nouvelle. Tu connaissais Claude et Fabienne Briand? Oui, je connaissais les parents de Grégory, oui. Alors, les deux sont morts. C'est toi qui as installé leur système de sécurité? Oui, c'est moi, pourquoi? Vous connaissiez bien leur collection, hein? Oui, c'était des clients. Je suis venu ici quelques fois. Alors, faites pas le modeste. D'un seul coup d'œil, vous savez repérer ce qu'il y a de la valeur. Où voulez-vous en venir? C'est le genre de cambriolage que vous auriez pu commettre, non? Ah non, moi j'ai jamais eu de sang sur les mains, ok? Mais tu pourrais nous aider à retrouver les tueurs, remonter leur réseau. Ah, d'accord. En fait, vous avez besoin de moi. Tu as passé un accord quand tu étais en prison, Alex. Une grosse remise de peine contre ton expertise sur des enquêtes. Alors, même si ça t'ennuie de repartir en mission pour nous,
ça m'ennuie pas. Ah bon? Je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez pas très à l'aise en arrivant. Bah oui, c'est sûr. D'apprendre le décès des Bria, ça... ça fait un choc. Mais tu vas nous aider. Oui, bien sûr. Parfait, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ah, tiens. Chaussons. Chaussons. Cambrioleurs ont dû être dérangés. Ils ont beaucoup cassé, mais apparemment, ils n'ont pas pris grand-chose. À vrai dire, on ne sait même pas ce qu'ils ont pris. Vous saviez ce qu'ils mettaient dans leur coffre, là? Oui, j'ai ma petite idée. Attention, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Le coffre! Alors Alex, vos conclusions? Honnêtement, la collection des Bria est un peu tape à l'œil. Beaucoup de pièces, mais aucune de grande valeur, sauf une. Bah, allez-y, ne vous faites pas languir. Une magnifique statue antique, qui a voilà, 30 cm environ, qui représentait une grâce, un héritage de famille. Elle vaut cher? 4e siècle avant Jésus-Christ, un élève de Praxitèle, ouais, quelques centaines de milliers d'euros quand même. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc les tueurs étaient bien renseignés. C'est bizarre, vu le mode opératoire, j'aurais plutôt pensé à des jeunes, mais aussi bien renseignés, ils doivent être plus âgés. C'est des jeunes. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est des jeunes? J'ai dit ça, moi? Non, moi j'ai dit ça, tu m'as répété. Parce que je pense que ton raisonnement est juste. Attends, ce seraient des jeunes qui seraient venus voler une statuette grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ, et on dit qu'ils n'ont pas de culture. Dans l'eau, il y a une tête pensante, mais l'exécution, elle est sommaire. Et les systèmes de sécurité? Pardon. Le digicode n'a pas été endommagé non plus. Et avec une statuette d'une telle valeur chez eux, ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas branché. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Oui. Quoi, il arrive tout de suite? Bon, je m'en occupe. Je le reçois, oui. Les assurances des Bria ont prévenu les boulets de l'OCLTBC. Du quoi? L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Oui, c'est simple. Oui, ça a beaucoup changé depuis ton époque. Le ministère nous en envoie un digne représentant. Ça ne m'arrange pas du tout, ça. Je ne retiens pas, hein? Tu vois, je suis sorti de tôle, mais on me demandera toujours de rester dans l'ombre. Alex. Par là, c'est mieux. Bonjour. Boulanger. Le capitaine Christian Fournier, le capitaine Sophie Devailly, avec qui vous allez collaborer sur cette affaire. Enchanté, pardon. Vous m'avez beaucoup parlé de votre efficacité, mais vos collègues auront beaucoup de chance. Bien, je suppose que vous savez déjà que les Bria possédaient une statuette antique d'une grande valeur. Oui, je le savais déjà, oui. Bien, cette statuette faisait partie d'un groupe de trois qui ont été donnés à trois sœurs. Avec la mort de Madame Bria, il ne reste plus qu'une seule sœur en vie. Je pensais aller l'interroger. Vous m'accompagnez? Ah, bien entendu. Euphrosyne, Talia, Aglaé. Nous étions trois sœurs et nous avons reçu chacune une grâce en héritage. Celle qui a été volée représentait Euphrosyne, la joie de vivre. Oui. Et moi, j'ai hérité de Talia, l'abondance. Et mon autre sœur, qui est décédée elle aussi, possédait Aglaé. Qui personnifie la beauté. Vous vous y connaissez? Je ne vois pas votre statue. Elle est en sécurité à ma banque. Et vous savez ce qu'est devenue celle de votre sœur Élise? J'imagine qu'elle a dû la vendre il y a très longtemps, elle a bien fait. Élise a profité de cet argent de son vivant. Finalement, les statues, c'est un cadeau empoisonné qui a coûté la vie à Fabienne. Et elle laisse un fils de 18 ans. Je vais m'occuper de mon neveu. Vous étiez proche de votre sœur? Pas autant que je l'aurais voulu. L'argent divise.
même les familles les plus unies. Pourtant, vous ne semblez pas... Vous n'avez pas de quoi vous plaindre. J'ai dû vendre tous mes meubles pour rester dans la maison de mon grand-père. Vous voulez dire que vous aviez des problèmes d'argent et que votre sœur ne vous a pas aidé? Je n'attendais rien d'elle. La famille engendre toujours le meilleur comme le pire. Le pire? En d'autres termes, l'indifférence. Et c'est déjà terrible. C'est vraiment gentil ce que vous faites pour moi. Ta mère était tellement géniale. Mais c'est normal, c'est que je t'aime, beaucoup. Et toi, tu vas dormir où? Dans le salon, j'ai l'habitude, ça me dérange pas, vraiment. J'ai pas toujours été bien avec toi, Ali. Mais pourquoi tu dis ça? Bah tu sais bien. Ah, parce qu'on est sortis une fois ensemble? T'inquiète pas, je m'attendais à rien. Je voulais pas te faire de mal. Si on s'attendait à un truc à chaque fois qu'on embrasse quelqu'un... Je suis pareil que toi, moi. Vraiment. Je suis content qu'on soit amis, alors. Moi aussi. C'est beaucoup mieux comme ça. Et toi, ça va? J'arrête pas de penser à mes parents. Je me dis que je leur ai pas assez dit que je les aimais. Mais non, ils le savaient. Sortir là, j'étouffe. Oui, bien sûr. Oh, merde. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Je peux pas le laisser tout seul. J'ai pas été clair. Il est pas au courant. Qu'il est pas au courant, je vais lui dire. Mais non. Il y a un problème? Il y a pas de problème. En fait, on est désolé de ce que t'es en train de vivre. C'est pas facile. En tout cas, t'es ici chez toi. Merci. Merci. Et si tu veux parler, je suis là. Ok. C'est gentil, allez bien. Attends. Vali a son bac blanc lundi. Quoi? Et j'aimerais que... Et vous voudriez qu'elle reste révisée. Ah mais non. Voilà. Tu vas pas louper ton bac pour moi? Ah mais pas du tout, mais... Je vais marcher seul, c'est pas grave. À ce soir. Ouais. Mais t'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Laisse-le s'il veut marcher seul. Ton grand-père a raison. Bah oui, j'ai raison. Bah merci. Et voilà. Il va pleurer tout seul maintenant. Si tu veux l'aider, vaut mieux que tu restes en vie. Et c'est vrai qu'entre vous, je sens qu'il y a du kiff là. Alors là, pas du tout. Il m'a dit qu'il préférait qu'on reste amis. Ça peut évoluer, rien n'est définitif. Arrête, combien de fois j'ai sorti cette connerie à des mecs? Je veux pas tout gâcher, je préfère qu'on reste amis. Hop, hop, hop. Et on révise. Ça va, j'ai compris. On a toujours eu des dénonciations anonymes, alors là, chapeau. On est tombé sur un artiste, hein? C'est sûrement un voisin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vu le tueur dans la rue et qui veut pas de représailles. Tu m'étonnes. On suspecte toujours les premiers témoins. Je préfère rester tranquille, Léonard de Vinci. Alors? Ça y est. J'ai deux mecs qui matchent avec le portrait robot. Je crois que celui-là, c'est le bon. Ouais. Tiens, Marco Battista. La ressemblance est flagrante et il sort de la centrale de Lille, ça pourrait coller. Ouais. Braquage à main armée dès l'âge de 15 ans. Bagarre, trafic de stupéfiants, trafic d'armes, de faux billets. À 20 ans, il a déjà la carrière d'un mec de 30. C'est le cynisme d'un dingue. Tu es deux personnes comme ça de sang-froid. Ce mec bosse pour qui? Elle est comment, la sœur de Fabienne Bria? Amère. Elle vit dans un hôtel particulier, mais elle a l'impression de ramer. Donc si je comprends bien dans l'histoire, on a les trois grâces et les trois garces. Non, Fabienne était quelqu'un de bien. Mais check les activités de Lord Agnelli, la tante de Greg. Ses relevés de compte, ses coups de fil. Oui, allô? Quoi, tout de suite? Ok, j'arrive. Je vais voir Bélanger.
Alex, comment ça va? Très bien, merci. De retour dans le business? Plus que jamais. Tant mieux, je commençais à m'ennuyer sans toi. On a bien besoin d'une petite ambiance rock'n'roll en ce moment. Je peux t'aider? Tu sais pas à quel point. Dis-moi, Mathieu, j'ai cru comprendre que dans tes lots, tu avais reçu une statuette qui m'intéresse. Tu peux être un peu plus précis? Alex t'a dit où il en était? On a rendez-vous avec lui pour qu'il nous explique tout, non? Vous expliquez, tu sais bien qu'Alex, c'est pas comme ça. Alex nous explique un peu, il nous cache beaucoup, et surtout, il fait les choses de son côté. Hein. Oui, mais quand il nous aide, même s'il a ses méthodes. Je sais bien, c'est moi qui ai milité pour sa libération anticipée et qu'il est engagé comme expert. Alors, alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis inquiet. Mais oui, qui mieux qu'Alex savait comment désactiver le système d'alarme des brailleurs? Évidemment, certains ici... Non, il n'aurait jamais pu tuer et il ne l'a jamais fait. C'est pas la peine d'essayer de me convaincre de ça. Je te dis juste que dans cette affaire, je prends des risques en employant ton père. Et j'espère que cette fois, il ne cache rien. Oui, Alex Toussaint est là? D'accord, j'arrive, merci. Il y a peut-être un moyen de trouver les tueurs des Brillats, et plus vite que prévu. Il y a un problème? Ça va? Non, pas du tout. Allez-y, continuez. Bon. La statuette des Brillats est entourée de deux autres grâces, Aglaé et Talia. Et le rapport avec le crime? Les vilains méchants veulent reconstituer l'ensemble. Comment tu le sais? Parce que la deuxième statuette va être mise en vente aux enchères. Après-demain, comme par hasard. Après-demain? Attends, de quelle statuette tu parles? Celle de Lord Anneli? Ouais. C'est pas vrai, je viens de l'interroger, elle ne m'a rien dit. C'est normal, elle devait flipper que tu l'empêches de la vendre. Je vais retourner la voir. Et du coup, c'est quoi la suite des opérations? Bon, ça va se passer de la manière suivante. Je vais essayer d'entrer en contact avec les tueurs. En achetant la grâce vendue aux enchères. Nous, on peut essayer de retrouver le propriétaire de la troisième statuette. Avant qu'il ne se fasse tuer comme les Brillats. Qu'est-ce que vous voulez? Tu me vous vois maintenant? Me dis pas que tu t'y remets. Bah, je te le dis pas puisque tu l'as compris. Je suis passé cet après-midi, il y avait personne. C'est ton assistante qui m'a reçu. Elle est charmante. Ah, mais je connais ces deux chapiteaux. Il y avait les mêmes à l'église du Ventour. Alors du coup, j'ai vérifié. L'église a été pillée il y a 4 ans. C'est drôle comme coïncidence, non? Qu'est-ce que tu cherches, Alex? Tiens, c'est comme ces pièces de monnaie romaine à l'effigie de l'empereur Adrien. Les assurances du musée du roi, on les cherche partout aussi, savait. Tu veux me dénoncer, c'est ça? Non, te faire une proposition malhonnête. Je t'écoute. T'es au courant du vol de la grâce chez les Brillats? Comme tout le monde. T'es au courant que sa sœur va être mise en vente demain aux enchères? J'ai entendu ça, oui. Bien. Puisque t'as l'air au parfum, tu vas me servir d'intermédiaire. Oui. Je veux savoir combien le commanditaire du vol a proposé pour les trois grâces réunies. Et faire savoir que moi, j'en propose plus. Mais j'ai rien à voir dans cette histoire. Il y a eu meurtre. Je suis pas là-dedans. Oui, parfois t'es là-dedans, puis des fois t'es juste à côté. Tu te débrouilles pour faire passer le message. T'as encore du blé, toi? Enfin, je veux dire, quand t'es sorti de tôle, dans le milieu, on disait que t'étais plutôt mal en point. T'inquiète. J'ai un petit pactole de guerre que je vais faire fructifier. Tu sais, la richesse, c'est de vivre de ses intérêts. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis sûr que tu peux beaucoup. Je promets rien. Alex Toussaint est sur le coup. Tu m'étonnes qu'on va le retrouver aux enchères. Il faut absolument récupérer cette statue. Et puis après, il faut boucler cette affaire. Très vite. Vous ne m'avez pas prévenu. Pardon? La vente aux enchères.
Ça ne concerne pas le meurtre de ma sœur. Ça concerne ces meurtriers. C'est parce que vous vendez votre statue qu'ils ont décidé de réunir les trois. C'est de ma faute, s'ils ont tué ma sœur et son mari. J'ai un double homicide. Toute obstruction à l'enquête est un délit. Vous ne pouvez pas juger de ma façon de faire le deuil. Je veux absolument me débarrasser de la statue coûte que coûte. La vente était prévue bien avant la mort de votre sœur. Vous me suspectez ? Fabienne a été tuée à bout portant dans sa voiture, sans aucune pitié. Les cambrioleurs n'avaient pas besoin de faire ça, sauf s'ils la connaissaient. Vous pouvez m'aider. L'homme qui a acheté la statue de ma sœur Élise, je le connais. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Parce qu'à l'époque, quand il a acheté la statue, j'étais tellement furieuse qu'elle sorte de la famille que je suis allée chez lui pour essayer de la lui voler. Il n'a jamais porté plainte, mais là, vu les circonstances, j'imagine qu'il va vous le dire. Son nom, son adresse. Eric, tu lances une recherche sur Armand Desrosières. Oui, il faut absolument le contacter. Il a un pied-à-terre à Lille. Il n'y est pas pour l'instant, mais il risque de venir pour la vente aux enchères. Je te remercie. Dis-moi la vérité, je fais petite fille ? Enfin, je fais mûre ou pas assez pour mon âge ? En fait, c'est quoi la vraie question ? Mais voilà, en fait, Greg est en terminale et moi en première. Tu trouves que ça fait une différence ? Pour moi, c'est simple. Hein. Soit il t'aime, soit il t'aime pas. Pourquoi ? T'as l'impression qu'il est amoureux d'une fille plus âgée ? C'est vrai, c'est peut-être parce qu'il est plus vieux qu'il m'aime pas. Attends, mais plus vieux, ça veut rien dire. Et puis un an de différence, c'est pas non plus... Tiens, regarde-moi par exemple. Plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression de rajeunir. Toi, on peut jamais parler sérieusement avec toi. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Elle est tellement différente des autres. Elle pourrait être toutes les femmes, mais elle ressemble à aucune que je connais. C'est différente des filles du lycée. Elle... C'est qui cette fille ? Ça va ? Tu dors pas ? Ça va pas ? On sait jamais quoi dire dans ces moments-là, mais je suis là. T'as l'air réveillé, ça fait plaisir. Dis-moi même que t'as révisé ton bac toute la nuit. Ah oui. Mais pourtant, je t'ai entendu parler avec Greg. Et il arrivait pas à dormir. Ah j'ai plus lu. Ouais, c'est ça, oui. Plus lu. Bonjour. Tiens, salut. C'est vraiment gentil ce que vous faites pour moi, mais je crois que je vais accepter la proposition de ma tante. Et pourquoi ? Tu m'as dit que tu l'aimais pas. On veut pas, c'est juste que... De vous voir comme ça, là, heureux en famille, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais ça va peut-être passer. Attends, Valie, moi, je comprends. Tiens, ça, ce sont les coordonnées d'un antiquaire à surveiller. Ouais. Je voulais vous demander, est-ce que c'est possible de récupérer des affaires chez moi ? T'es sûr ? Ouais, je préfère le faire maintenant, ouais. Ok. On y va ? Moi, j'ai faim, moi. Non, moi, j'ai pas faim. Chose a disparu. Non, c'est rien. J'ai trouvé ça. Si tu veux prendre quelques affaires. Hey. J'y arrive.
n'oublie jamais, là. Bien sûr. Ça va prendre du temps, Greg, sans doute beaucoup, mais tu vas surmonter ça, d'accord? Et on sera là avec toi, hein? Excuse-moi. Oui? Armand Desrosières à l'appareil. Oh, monsieur Desrosières, merci de me rappeler. Pourquoi vous m'avez laissé un message? Qu'est-ce qui se passe? Vous possédez une statuette, Aglaé, qui faisait partie d'un groupe de Trois Grâces. Qui vous a dit ça? Monsieur Desrosières, les propriétaires de la Première Grâce viennent de se faire tuer. Où êtes-vous? Je suis chez moi, à Lille. Je viens juste de poser mes bagages. Très bien. Ne sortez pas, ne répondez pas et surtout n'ouvrez à personne. J'arrive tout de suite. Attendez, je suis en danger? Je préfère vous mettre sous protection. Ça va? On y va, alors. Sympa, le pied-à-terre. Ah, dans le milieu des collectionneurs, Armand Desrosières est connu comme le loup blanc, hein. Belle collection privée, il la prête parfois pour des expositions. Si vous le savez, ça veut dire que les tueurs le savent aussi. Vous êtes toujours d'une logique aussi implacable? C'est ce qui me permet de survivre en milieu hostile. Et vous êtes toujours aussi sexy? Pourtant, je lui avais demandé de rester chez lui. La porte. C'est le règlement. Vous ne deviez pas la laisser toute seule. J'étais à deux doigts d'avoir le tueur. Je me fous de ce mec, je vous parle de la vie de Sophie. C'est la dernière fois que je travaille dans l'urgence. On est tombé sur des keufs, ça aurait pu très mal se passer. Vous en êtes pas mal tiré. Oh, ça devient chaud, là. Pour moi aussi, c'est chaud. Quand est-ce qu'on est payé? Quand vous aurez récupéré la troisième statue. C'était pas prévu comme ça? C'était pas non plus prévu que tu butes Libreya. Moi, le meurdébrayage, j'y suis pour rien. Je suis venu en renfort parce que vous aviez une baltringue qui s'est défilée. Alors, je vais te payer maintenant. Écoutez, on peut pas faire tout en même temps. Claudio, moi, faut qu'on s'occupe d'une petite gonzesse qui m'a vu chez les Brayas. Bah ouais, c'est compliqué. Si ça te paie pas, change de job. Bon, la vente doit avoir lieu demain. Alors, ce soir, tout doit être plié. Alex Toussaint, il sera là? Il y a des chances, oui. Quand j'étais au placard, ce mec-là, c'est loin d'être un blaireau, je vous le dis, moi. On a du boulot, Claudio. Ça veut dire qu'il va encore y avoir de la casse. On a rien sans rien. On y va. Regardez pas comme ça, je suis pas morte. Bon, en attendant le médecin, il faudrait désinfecter, hein? Non, ça va. Si, il faut le faire. Non, mais je déteste ça. Il faut le faire, hein? Écoutez, brevet de secouriste, formation approfondie au SAMU de Paris. Ah bon?
quand même. Je plaisante. J'ai été scout. Déshabillez-vous. Et vous comptez faire quoi? Désinfecter la plaie avec un silex rougi au feu de bois? J'adore ce métier. Oh, ah oui. Ah, oui. 3 cm au-dessus. Ah, et c'est le foie qui prenait. Et alors quand c'est le foie, c'est des hémorragies. Ça, donc le sang coule. Non, j'ai compris. Dire, oui. Vous avez vu ça? 25 siècles. Un corps parfait. Une puissance érotique incroyable. Vous pouvez baisser votre pantalon. La nudité. Les drapés. Ce qui me frappe, c'est leur joie de vivre. Je me suis vue mourir aujourd'hui. Je vous dérange pas? Oh. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah, mais je crois rien du tout. Non, non, non. J'étais venu pour désinfecter. Merci. Tu sais, je... Suis flic. Je crois dur comme fer en la présomption d'innocence. Mais j'ai rien à me reprocher. Ah non? Oh, t'appelles Fournier plutôt que moi pour t'accompagner chez Desrosières. Tu partages toutes tes infos en priorité avec lui. Et le gâteau sous la cerise, tu t'enfermes à moitié nu avec lui. On pourrait appeler ça un faisceau de présomption. Qu'est-ce que tu veux? Juste te prévenir qu'Armand Desrosières avait une amie, Sandra Legendre, et qu'elle vous attend chez elle. Ok. Merci. T'en prie. Comment vous avez rencontré Armand Desrosières? C'est très simple. Mon métier, c'est de choisir des objets pour des collectionneurs. J'avais trouvé un très joli petit Degas que j'ai proposé à Armand. Et il a eu le coup de foudre. Pour vous? Pour le Degas. Enfin, pour moi aussi, j'espère. Enfin, c'était partagé. Armand était tellement à part. Vous n'étiez pas mariée? J'ai pas besoin de ça pour aimer un homme. Vous vous connaissiez depuis longtemps? Environ 6 mois. Et il avait l'intention d'acheter la statuette qui allait être mise en vente, c'est ça? Tout à fait. Il vous a paru inquiet ces derniers temps? Bon, Armand était inquiet de nature. Que faisiez-vous cet après-midi? Oula. Ah oui. 15 personnes m'ont vu aujourd'hui à mon club de bridge. Et puisqu'on en est là, je n'ai aucun antécédent judiciaire et aucun motif de faire disparaître Armand. Comme vous le voyez, je n'ai aucun problème financier, alors je vais vous paraître désagréable, mais si ça me permet d'écourter cet entretien, tant mieux. Je n'aime pas votre réponse. Je n'aime pas vos questions. Eh oui, mais vous n'avez pas le choix. Très bien. Faisons comme si vous alliez être efficace et abordons les problèmes de face. Vous avez déjà vu ce jeune homme? Armand le connaissait? Il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'Armand aurait bien aimé racheter la grâce des Breya, mais ils n'ont jamais pu s'entendre là-dessus. Ils étaient tous attachés à leur statut et aujourd'hui, ils sont tous morts. Vous aussi, vous pouvez comprendre cet attachement. Vous seriez prête à beaucoup pour l'amour de l'art. J'aime ce que j'ai. Je ne me consume pas pour ce que je n'ai pas. C'est ce qui fait la différence entre une esthète et une collectionneuse. Merci. Il se fout de notre gueule. Je vais quand même aller vérifier si ses comptes sont si nets que ça. Vous raccompagnez chez vous? Non, au commissariat. Ah, écoutez, Sophie, vous êtes blessée. Oui, mais j'ai du travail. Bon, désolé d'être un peu macho. Est-ce que je peux vous demander de ne pas insister? Un jour, tu veux pas que je sorte, et maintenant, tu me dis ce qu'il faut faire dans la rue. J'ai compris que tu sortirais quand même, alors je préfère gérer. Mais tu préfères surtout que j'aille à mon bac blanc. Si tu veux pas y aller, on pourra dire à ta mère et tes profs que t'es recherché par des tueurs. Parce que t'as assisté à un meurtre dans la villa où t'étais entré par infraction. Ça me paraît béton comme mot d'excuse. C'est bon. Bon, première leçon. Si tu remarques que t'es suivi, tranquille, tu ne montres jamais que t'es paniqué. D'accord. Tu marches, nature. Qu'est-ce que tu fais là? Nature. Attends, tu me fous le moi ou quoi? T'en fais un peu trop là. Bon, ensuite tu traverses la rue. Hein, discret. Discret. Là. Et tu te plantes devant la vitrine. Pourquoi la vitrine? Ah, la vitrine. Ouais, c'est pas celle qui a compris. Pourquoi la vitrine? À cause du. Du reflet. Ah, pour savoir si je suis suivi. Voilà. Si le magasin est ouvert, tu rentres. Et s'il est fermé? Tant que t'es dans la rue, t'es en sécurité.
Ah bah, où tu vas, là? Je vais dans le magasin. Ah, t'es pas en danger, ça va, c'est un exemple. Deuxième leçon, si quelqu'un te menace, alors là, tu cries, tu braques. Oh, Greg! Qu'est-ce que tu fais, là? L'amour aveugle, on ne voit pas le danger. Regarde-moi, j'ai adoré une femme qui m'a balancé au flic. Oui, bah Greg, lui, il est pas comme ça. Valide, Greg, tu baisses pas ta garde, hein. Oui, oh, j'ai compris. Attends, tu t'en vas? Tu veux que je reste ici? Si je te dis pour moi, c'est une bonne raison? Ici, tout me fait penser à mes parents, il faut que je parte. Mais arrête, où t'iras, ce sera pareil. Et puis, tu trouveras pas forcément quelqu'un d'aussi drôle que moi. Ou sinon, je pars avec toi. C'est vrai, je suis très spéciale. Le train me donne le mal de mer. Quand il fait chaud, j'ai toujours froid et je suis allergique à plein de trucs. Sauf à toi, bien sûr. Quand tu me disais que c'était pas important qu'on soit sortis ensemble, tu mentais? Non. Je mens si mal. Moi aussi, je mentais, Valy. Je tiens plus à toi que je voudrais. Mais t'es pas amoureux de quelqu'un d'autre? C'est juste que tu comprends, je perds tous les gens que j'aime, alors... Mais non, t'inquiète pas. Y a pas de chance que je disparaisse comme ça, moi. Je suis trop tenace. Mais vraiment. Voilà. C'était vraiment pas la peine. Ah, c'était tout sauf une peine. Là, j'insiste pas. Si. Non. Pardon, je vis avec mon père et ma fille, alors... Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma fille. Enchantée. Bah, venez dîner, c'est prêt. Ah. Merci. Je vous en prie. Bon, bah, je rajoute une assiette. Eh bien, oui, merci. Attends, t'es blessée? Non, mais c'est rien. On t'a tiré dessus? Oui, mais c'est rien. Mais non, c'est pas rien. C'est un rapport avec mes parents? Oui. Le propriétaire de la deuxième statue vient de se faire tuer. Et ils ont eu le temps de la voler? Oui. J'espère que tu vas la retrouver. Pardon, hop, pas de tension. Chaud devant. Bonsoir. Ah, mais je crois qu'on se connaît. Oui, c'était dans une autre vie. Bon, je vais tout vous expliquer. Et t'as vu un médecin? Non, mais tout va bien, c'est juste une éraflure. Alors comme ça, c'est les nouvelles méthodes de la police d'envoyer les femmes en première ligne. Comment vous vous connaissez? Lieutenant Fournier. Non, le capitaine Fournier. Ah, félicitations. Le capitaine Christian Fournier, ici présent, alors qu'il n'était que lieutenant, a contribué à mon arrestation il y a 10 ans. Pardon? La hiérarchie a mis en avant son commissaire, mais c'est lui qui a recueilli les confidences de ta mère. Ce qui m'a valu 8 ans dans 14 mètres carrés. Enfin, vous étiez ce qu'on appelle un hors-la-loi, non? Sans moi, vous n'existeriez même pas. C'est un raccourci un peu rapide. J'en ai un autre un peu plus court. C'est la société qui fabrique des gens comme nous. Elle est super, l'ambiance ici. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours milité pour la réinsertion des prisonniers. C'est bien. Bon. Dans quelle association? Stop! Je suis blessée, là. Eh oh! C'est fou, vous avez pas changé. Vous n'en pleurez. Bon, papa, arrête! Tu demandes une deuxième chance et t'es incapable de pardonner ce qui s'est passé il y a 10 ans? Tu peux pas comprendre. Oh que si. Sans compter que, excuse-moi, mais il y a 10 ans, il fallait qu'on t'arrête. Pour que tu recommences quelque chose de nouveau, hein? Comme maintenant. Bon, mais je crois que je vais vous laisser. Oui, ça vaut mieux. Je vous raccompagne. Moi pas. T'en veux, Greg? Non, j'arrive pas à croire que vous êtes sa fille. Attendez, je vous jure qu'il s'est rangé. Il a obtenu une remise de peine contre ses services. Je trouve pas ça très pro. Hein? Et s'il accédait à des informations confidentielles? Oui. Maintenant? Très bien, j'arrive. Vous ne voulez pas que j'intervienne demain pour la vente aux enchères? Mais c'est de la folie pure. Sauf le respect que je vous dois. Écoutez, Christian, je peux vous appeler Christian? Non. Il y aura beaucoup de monde demain à cette vente, et si nos adversaires y sont et qui vous voient, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Très bien. D'accord. Personnellement, j'ai des doutes concernant Alex Toussaint. C'est quand même lui qui a installé le système d'alarme de la maison, et vous vous êtes bien gardé de me dire que c'était le père du capitaine Sophie de Vailly. Ah bon? Je vous l'ai pas dit. J'étais pas tenu non plus. Mais concernant votre stratégie pour la vente aux enchères de demain, il y a une petite chose qui m'échappe. Vous avez peur que la police fasse des bavures? Et d'un autre côté, vous utilisez les services d'un ancien truand? Bravo. C'est un peu plus compliqué que ça. Mon cher Christian, heureusement vous êtes encore plein de certitudes. Hein, le bien, le mal, les méchants, les gentils, ce sont sans doute ces certitudes qui vous aident à avancer. Mais je pensais qu'avec la carrière que vous aviez menée, vous vous étiez rendu compte que les frontières n'étaient pas aussi précises. Vous ne pensez pas que chaque personnalité est multiple et qu'on peut trouver des qualités humaines incomparables, peut-être là où on ne s'y attendait pas? J'y réfléchirai. Prenez votre temps.
Encore un ou deux échecs et il aura perdu de son arrogance et sera parfait. Oh non. Non, me dis pas que... Non, d'accord, d'accord, j'ai rien dit. Mais avoue que ça aurait été plus simple que tu sois attiré par quelqu'un d'autre. Hein? Et quand t'auras repris tes esprits, tu pourras appeler ton papa. Alex ? Ouais. Alors le petit Fournier, il a bien bavé sans moi ? Il m'a taillé un beau costard ? Ah oui, joli, oui. Et j'ai été votre meilleur avocat. Bah, vous me direz pour les honoraires. Bon, pour demain, ça se passe comment ? Bah, le problème, c'est qu'on n'est pas en terrain facile. Hein, les tueurs n'hésiteront pas à prendre un otage si ça tourne mal. Non mais attendez, je vous rassure, on va faire simple, hein, comme on a dit. Je récupère la statuette, ils vont forcément entrer en contact avec moi pour compléter leur collection. Ouais, mais surtout, on est bien d'accord. Hein. Une fois la statuette acquise, vous regagnez la voiture que je vais mettre à votre disposition. Là, j'aurai planqué deux flics en civil qui rapporteront la statuette au ministère. On est bien d'accord. Ok. On a tout vu ? Non, on n'a pas tout vu. Parce que pour la statuette, il me faudrait quelques milliers d'euros. Combien ? La statue est évaluée à 200 000 euros. Vous voulez me taper 200 000 euros ? Non, pas 200 000 euros, jamais de la vie. Ah, bah, vous me rassurez, hein, parce que je me voyais mal demander au ministère, donnez-moi 200 000 euros. Hein. 300 000. Parce qu'en fait, 200 000, c'est le prix de départ, le prix de présentation. Après, ça va... Oh, bah, ça va. Non, non, après, ça va... Mais je vous rassure, hein, j'en ai parlé au commissaire-priseur. Il va boucler l'affaire rapidement. C'est un ami. Ça aussi, ça me rassure. Bonjour. Salut. Salut. Hey, bonne chance pour ton bac, bien. Je croise les doigts. Merci. Au fait, maman m'a dit qu'il lui arriverait rien et elle s'est quand même fait tirer dessus, donc fais attention à la vente aux enchères. Promis. Je l'accompagne. Tu prends des risques sur cette enquête. Valérie a raison, tu devrais faire attention. Toi aussi. Je serai moins exposée. Non, je parlais pas de ça. Je parlais de ce type-là, ton capitaine. Christian ? Le capitaine Fournier ? Ouais. Je sens qu'il y a du kiff entre vous. Du quoi ? Au toit d'un doute. Tu comptais pas sortir avec lui ? Ben non. Mais je te connais, hein. Ton petit nez s'allonge. Ah, tu me connais ? Ouais. En tout et en pointillé, t'as dû rester, quoi, 5 ans à la maison quand j'étais petite. Le reste du temps, t'étais soit en tôle, soit en cavale. Alors je vois pas comment tu me connais. L'instinct maternel. De toute façon, je fais ce que je veux. Tu m'avais promis que tu sortirais jamais avec un flic. Mais tout le monde peut changer d'avis, voilà. Enfin non, pas moi bien sûr, puisque je suis ta fille. Donc, tu veux sortir avec lui ? Tu veux toujours avoir le dernier mot ? Il y a du kiff entre vous. Il y a du monde. Ils sont tous au courant pour les trois meurtres. Rien de mieux qu'une atmosphère un peu sulfureuse pour doper les ventes. Ce serait trop beau si on avait les tueurs dans la salle. Mais on a peut-être le commanditaire. Regarde. La veuve noire est au premier rang. Sandra Legendre. J'ai pu remonter dans son passé. Elle a fait l'école du Louvre. C'est là qu'elle a conquis son premier client. Un candidat libre assez riche. Bon, décédé depuis, malheureusement, mais il lui a laissé une jolie petite fortune. Et évidemment, tu viens de dire que tout ça s'est passé dans la plus parfaite légalité. Il est mort un mois après son mariage. Crise cardiaque. Ça n'a rien d'illégal. Non, on n'aurait jamais dû accepter qu'ils aillent seuls à la salle des ventes. Pourquoi vous vous laissez imposer ces méthodes, hein ? Parce qu'elle marche assez bien, si ça vous suffit comme explication. Bon, en attendant, on a 2 heures pour checker tous les appels de la tante de Grégory, de Sandra Legendre et remuer la police scientifique. La police scientifique a déjà passé la villa des Bria au peigne fin. Ça ne suffit pas. On a les empreintes des chaussures des deux types qui sont entrés par la fenêtre. En prime, la scientifique a bossé tout le week-end. Ah bah c'est formidable, on est lundi, les affaires reprennent. Excusez-moi, ça vous dérange si je m'assois à côté de mon ami ? Je vous en prie. Merci. Bonjour. Il ne m'avait pas dit qu'il connaissait Sandra Legendre. Ne m'en voulez pas, hein, mais je vous situe pas bien. Je vous rassure, moi non plus. Mais maintenant que je suis là, j'ai très envie de vous connaître. Dites plutôt que vous aviez envie d'être au premier rang. Perspicace. Mesdames et messieurs, bonjour.
nous allons commencer par une pièce d'exception. Cette amphore romaine retrouvée au large de Marseille. Il n'a pas l'air trop perturbé par la disparition de son ami. Comme vous avez pu le constater dans le catalogue, cette pièce est dans un état de conservation parfait. Évidemment, les pigments n'ont pas résisté à 18 siècles sous l'eau. Et voici maintenant un petit bijou, une grâce en bronze datant du 4e siècle avant Jésus-Christ. On estime qu'il s'agit de Thalia, la grâce de l'abondance, du trop-plein de vie. Est-ce qu'il y en a jamais trop? Cette grâce avait deux sœurs. Malheureusement, vous savez que les deux autres ont été dérobées, ce qui les empêchera de réapparaître sur le marché de l'art avant de nombreuses années. Cela n'en donne que plus de prix à cette rescapée. Vous avez pu observer dans le catalogue le travail très précis de l'artiste, l'expression heureuse de cette femme, pour ne pas dire épanouie, son sourire qui transparaît jusque dans son regard. Un très beau travail pour cette antique. L'estimation a été fixée à 200 000 euros. Nous espérons qu'aujourd'hui vous aurez du goût. Nous allons commencer les enchères à 150. 150, monsieur, au premier rang. 160. Allons, allons, nous savons de quoi nous parlons. 170, oui. 180. 190, 200, c'est ici que les choses commencent à devenir sérieuses. 210 au premier rang. 220, 230, madame, au premier rang. À sa droite, 240. 250, 260, 270, 280, 290, 300. Une belle relance de monsieur Barbu à 310. 320, 320, une fois, 320, deux fois, 320, trois fois. Adjugé, cette magnifique grâce antique est adjugée au premier rang. Félicitations. Moi, ce prix-là, on l'a, non? Elle est à nous. C'est allé tellement vite, je ne sais même pas. Nous allons maintenant passer à un... Vous avez acquis une pièce remarquable. Plus chère que je ne pensais. On ne peut pas tout contrôler. La facture, le certificat d'authenticité. Chèque. Merci, à bientôt. Je suis très jalouse. Sans indiscrétion, je peux savoir ce que vous allez en faire. Vous avez remarqué que quand on dit sans indiscrétion, c'est toujours très indiscret. Ah, mais je suis horriblement mal élevée. Ce qui a parfois ses avantages. Moi, je suis plutôt bien élevée, ce qui a parfois ses inconvénients. Je suis très étonnée de ne pas vous avoir croisé plus tôt dans les salles des ventes. Mieux vaut tard que jamais. Dites-moi, vous seriez libre pour dîner, pour fêter ça entre gens mal élevés? Au risque de passer pour très prétentieuse, je me défends pas mal en cuisine. Prétentieuse, mal élevée, autant de défauts derrière un si joli sourire, ça ne peut que me plaire. À très bientôt. Permettez? Oh, je vous en prie, merci. La voiture est garée rue Émile Zola. Allons-y. Merde ! Il y a une sortie de l'autre côté. Fonce, fonce, fonce ! Tu n'as rien. Excuse-moi pour la petite mise en scène.
Mais vu la façon dont les Brias et Desrosiers ont été assassinés, j'ai préféré mourir très vite avant que ça dégénère. Et le sang? Ah, t'as vu? Tiens, regarde. Efficace, hein? Mais dégueulasse. Je comprends pas comment... J'ai des pare-balles. Pourquoi tu m'as laissé pleurer sans rien dire? J'aime quand tu t'inquiètes. J'étais pas inquiète, là, j'étais bouleversée. Peut-être que j'avais besoin de l'entendre. Tout va bien. Vous l'avez buté ou seulement blessé? Il baignait dans son sang. Je lui ai mis une balle en plein thorax. Ok, fais-moi voir la merveille. Ils ont peur de rien, hein. Ils l'avaient envisagé, mais je pensais pas qu'ils oseraient. Voilà. Cadeau. Je m'y prenne pas, Alex. Je suis très heureux que vous ayez envie, mais on vient de perdre le seul moyen de remettre la main sur les malfaiteurs. Et 320 000 euros en prime. Excusez-moi, 20 000 en sus, c'est de votre faute. Moi, 300, je l'avais. Alex, tout ce qui m'importe, c'est que tu sois en vie. Mais c'est vrai que la perte de cette statue, c'est... C'est juste une catastrophe. Allez. J'ai entendu avec le commissaire priseur, qui est un ami, qui me la mettent de côté. Là, c'est un échange de mallettes. Oh, bravo. Belle organisation. Non, il reste plus qu'à attendre leur coup de fil. Ils croient que tu es mort. Je voulais renoncer le contraire. Ah, c'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Ça va les déstabiliser. Enfin, cela dit, jusqu'à présent, ils vous ont pas fait le début d'une proposition. Hein. Jusqu'à présent, ils avaient deux statuettes. Ils pensaient en avoir trois. Manque de bol, nous l'avons. La première défaite, notre première victoire, ça s'arrose, non? Le capitaine Fournier est là, il aimerait vous voir. Ah, maintenant? Faites-le entrer. Je m'en veux d'interrompre votre petite réunion. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'Alex Toussaint faisait dans la villa des Breillat le soir du meurtre. Pardon? Pardon, Sophie. Vous auriez pu m'en parler directement, je vous aurais expliqué que vous vous trompiez. Non, mais attendez. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ses empreintes digitales, tout simplement. Mon père est souvent allé chez eux. Nous l'avons même fait venir sur la scène du crime, pour qu'il nous donne son expertise. Ah, oui, oui. Et vous lui avez aussi demandé de sauter dans le jardin par la fenêtre du premier étage? Vous pouvez nous laisser 5 petites minutes, s'il vous plaît. Alex. Je vais essayer de le dire calmement, sans m'énerver. Je vous rappelle que je me suis porté garant de votre loyauté. Qu'est-ce que vous avez encore foutu? C'est toi? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai complètement foiré. J'avais du mal à pas penser à toi. C'était quoi le sujet? La passion engendre-t-elle des chefs-d'œuvre? T'as répondu quoi? Je parlais de l'amour fou d'Aragon et du rouge et le noir de Stendhal. T'irais jusqu'où, toi, par amour? Très loin. Et toi? Je sais pas, trop loin. Greg, je sais pas qui t'a mis cette idée dans la tête, mais l'amour, c'est pas toujours douloureux. Allez, viens. Dis-moi! Hé, cette histoire que t'as inventée, là, de test du système de sécurité, c'est pathétique. Tu mens beaucoup mieux que ça, d'habitude. Je vous ai donné la statue. Je fais tout ce que je peux pour vous aider. Oui, en nous mentant. Moi, je suis sûre que tu étais chez les Breillat la nuit du meurtre. Valier, toi, vous êtes rentré très tard ce soir-là. Ah, bah, je m'explique mieux maintenant. Pourquoi tu voulais être sur l'enquête? Attends. Me dis pas que vous avez assisté au meurtre. Je t'en supplie, hey. Vous avez assisté au meurtre? Malheureusement. C'est pas vrai. Ça m'a permis de dresser le panthéon robot de Marco. Mais je m'en fous! Valier a été témoin d'un assassinat, tu te rends compte? Attends, mais je suis pour rien, moi. Si. Elle te suit partout, elle veut tout faire comme toi tout le temps. Exagère. Je peux plus te laisser avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que l'enquête est bouclée, tu déménages. Ah, comme ça, madame a décidé que... Ouais. Et si j'ai pas envie? Toi, tu
penses que l'amour, ça peut sauver de tout? J'espère, pas toi. Je sais pas, peut-être, pas sûr. J'ai l'impression d'être dans un tunnel que personne ne pourra jamais m'en sortir, tu m'écoutes pas, là? Ah, mais si, si, tu disais que t'étais dans un tunnel. Bah écoute, si ça te fait chier mes histoires, tu peux le dire. Mais non, mais je me sens pas très bien. Je crois que c'est pas une bonne idée qu'on soit tous les deux. Quoi? Ça fait peur, le deuil, hein? Maintenant, je suis plus comme les autres. Mais arrête, j'ai jamais dit ça. C'est pas la peine de le dire, je le sens. Mais non, mais pas du tout. Bah écoute, toi et moi, on peut plus comprendre, hein? C'est triste, mais c'est comme ça. Salut, Valy. Non mais, arrête, Greg, tu vas pas me laisser comme ça, toute seule. Tu vois que tu penses qu'à toi. T'inquiète pas, il fait jour, il se passera rien. Dans sa chambre non plus. Il devrait être rentré de son bac blanc. Elle répond pas non plus. Bien. Mademoiselle, on a besoin de la table pour le dîner. Je peux encaisser, s'il vous plaît? Il reste encore des tables de libre, là. Vous comptez rester encore longtemps? Oui, oui, je suis pas pressée. Ah bah ça, j'ai vu, vous en avez mis du temps pour le boire, votre café. Mais vous attendez quoi? Elle. Valy, laisse-moi. Chez les Bréa la nuit du meurtre. Hein? Oh, tu peux me parler, je suis ta mère! Et toi, pourquoi tu l'en as pas empêché? Vous êtes pareils tous les deux. C'était dans la villa à cause de Grégory. Qu'est-ce que tu fais là? Il cherchait quelque chose dans son bureau, tu lui as volé quoi? Hein? Son journal, ses clés USB? N'importe quoi. Je sais pas encore si Fournier aura l'idée que t'étais là-bas toi aussi, mais moi je suis compromise jusqu'au cou. Et toi? À l'heure actuelle, tu risques ni plus ni moins qu'un retour en prison. J'étais déçue. Est-ce que tu réalises que j'ai eu peur pour toi? Je sais. Pardon. Ça t'est déjà arrivé d'aller trop loin, de plus savoir où t'en es? Ouais. Quand j'avais ton âge. C'est vrai? Quand j'ai rencontré ton père. Avec papa? C'était un voyou. Je pensais que je pouvais le sortir de là, mais... résultat, c'est moi qui suis tombée. Et il est où? Comme il voulait pas aller en prison, il s'est enfui. Et j'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Et tu l'aimais? Oui. Mais c'était pas une bonne idée. Tu sais, pour Grégory, si ça doit te rendre malheureuse au point de faire des conneries, alors c'est le signe que c'est pas le bon pour toi. De toute façon, je suis pas assez bien pour lui. Non, t'es pas bien. T'es pire. Et... il s'est enfui pourquoi, papa? Il avait fait quoi? Est-ce qu'elle me laissera le temps de la comprendre? Elle qui me comprend si bien. Parfois j'ai le sentiment que j'ai aucune prise sur elle et parfois quand je la vois, il me faudrait du temps.
plus de temps. Est-ce qu'elle le perd avec moi, si c'est moi qui la perds? Elle a raison de dire que je peux pas l'aimer si j'ai pas vécu, rien lu. Je devrais l'étonner. Je suis tellement d'accord quand elle me cite Paul Morand. Aimer n'est pas un sentiment, c'est un art. C'est vrai que tu veux qu'Alex parte? Je veux qu'on devienne une famille normale. On n'est pas comme les autres, on est unique. Non, même Greg me disait que quand il y avait des problèmes chez lui, ils en parlaient pas. Au moins, nous, on n'est pas pareil. Tu veux passer? Oui, Eric. Pendant que vous batifoliez avec le capitaine Fournier, j'ai pu activer mes indics. J'ai logé Marco dans une petite rue derrière la gare. Très bien, j'y vais. Tu me guides? Pas la peine. Ton capitaine Fournier a déjà eu l'info. Il est déjà parti. Je suis peut-être pas très objectif, mais il a des dents qui rayent le parquet, ce mec. Je sais que tu en as jamais, mais pour Greg, il faudra faire une exception. J'arrive pas à l'oublier. T'as lu son carnet? C'est évident, il n'est pas amoureux de toi. Puis tu avais raison. Elle a l'air plus âgée. Avec toutes les citations qu'elle lui balance, Nietzsche, Paul Morand, l'amour n'est pas un sentiment, c'est un art. Excuse-moi, elle est au minimum en fac de lettres. Je m'en fous qu'elle soit plus âgée ou qu'elle soit en fac de lettres. De toute façon, elle l'aime pas. À chaque fois qu'il parle d'amour, on dirait qu'il a envie de se suicider. Te fie pas aux apparences. Puis c'est bizarre. À chaque fois qu'il m'en parle, il dit jamais son prénom. Il l'appelle elle. Peut-être qu'il la considère comme un idéal féminin. Son idéal féminin? Ben oui. N'importe quoi. Tu veux un conseil? Tu veux pas souffrir? Laisse tomber. Non. Non, parce que c'est peut-être moi son idéal féminin et il le voit pas encore. Je peux plus rester dans cette ville, là. Je peux plus. Tu partirais avec moi? Tu m'entends? Tu viendrais avec moi? Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai trop traîné, je rentre chez moi. Reste encore un peu. Je peux pas me permettre de creuser ta tente. Qu'est-ce qui se passe, là? On se voit plus, tu m'appelles plus. J'ai failli partir. T'aurais peut-être dû. Pourquoi tu dis ça? Je t'aime plus que je pensais. Je savais pas ce qui allait se passer. Attends, tu te rends compte ou pas? J'ai plus que toi, moi. Tu peux pas me laisser, là. Je sais, je devrais pourtant. Mais je te laisserai pas. Mais toi et moi, tu crois encore ou pas? Tu parles comme un garçon, là. C'est vrai, t'as 18 ans, je l'oublie trop souvent. Sandra! Sandra. Mais vous étiez... Je croyais qu'on vous avait blessé gravement. Vous allez mieux? J'ai eu de la chance. Et puis je n'ai pas manqué une occasion à dîner avec vous. Je me suis tellement inquiétée. On ne se connaît pas encore bien, mais... instantanément, j'ai senti que... je suis contente que vous alliez bien. Merci. Même si c'est dommage qu'on vous ait volé la grâce. Je l'ai toujours. Vous l'avez? Mais je... Ah, là aussi, j'ai eu de la chance. Vous voulez peut-être la voir? Je connaissais très bien ses deux sœurs, Aglaé et Euphrosyne. Et les Bria, vous les connaissiez? Oui, j'ai été une fois chez eux. Mais je connaissais mieux la grâce que possédait Armand. Je vous ai pas invité à entrer. Venez. Oh ben je vois que vous avez une très belle collection de livres d'art. À défaut de collectionner les œuvres. Si vous en aviez les moyens, vous le feriez. Disons que ce que j'aime est exposé dans les plus grands musées. Alors je me fais mon musée imaginaire. On m'a dit que vous êtes experte pour de grands collectionneurs. Vous n'avez jamais été tentée d'acheter une œuvre pour votre plaisir? Sans arrêt. Mais j'essaie de ne pas m'attacher aux pièces que j'expertise. Un tableau, une sculpture, et votre vie devient un enfer. Vous tremblez dès que vous vous absentez. Et vous, vous gagnez votre vie comment? Oh, moi, je ne fais pas grand-chose. J'ai hérité.
Alors je me fais plaisir, je collectionne, je voyage, j'essaye de faire le bien autour de moi. Vous aimeriez vivre à côté des Trois Grâces? Qui ne rêverait pas de vivre à côté des Trois Grâces? Oui, mais pour qu'ils se réalisent, il faut croire très fort en ses rêves. Merci. Le mieux pour les rêves, c'est encore d'y croire à deux. Tout le monde me tombe dessus pour cette petite histoire de statue. Petite histoire? Trois morts. Et moi, j'ai failli y rester. C'est toujours pareil avec les gonzesses. C'est pas une gonzesse, c'est un flic. Ah ouais? Vous aimez bien exagérer tout ce qu'on dit? Vous aussi, les mecs, vous aimez bien exagérer. Ah ouais? Et la baffe, là? C'est interdit, c'est en garde à vue, oh, c'est filmé. Oh, oh, t'inquiète pas, ça s'efface très facilement. Juste 3 cm à côté, et je faisais plus partie de ce monde. Et ça, c'est pas bien. Mais tu sais, ça a du bon de savoir que la vie ne tient qu'à un fil. On regarde plus le temps qui reste de la même manière. Ah, je viens de comprendre 2-3 choses qui m'avaient échappé. Rick, c'est pas le moment. Les grandes leçons sur la vie, ça va pas être possible, je vous le dis. Pourtant, t'as tort, ça risque de t'intéresser. Un interrogatoire, ça peut vite déraper. D'ailleurs, je me casse. J'ai pas envie d'avoir l'IGS sur le dos. Bonne chance. Oh, vous êtes sérieux, là? Oh, vous déconnez ou quoi? Puisque vous êtes une spécialiste, j'en profite, permettez. Combien vaut celle que j'ai acquise? Eh bien, le prix que vous l'avez payé, 320 000. C'est plutôt un bon prix. Sauf si je la revendais à ceux qui possèdent les deux autres. Oui, évidemment, pour eux, votre statut a plus de valeur. Mais comme ils ont déjà volé les deux autres, ils sont sans doute pas prêts à payer la vôtre. Oui, mais là, je suis en position de force. On va pas se mentir, je fais du business. Les deux autres valent moins sans la mienne. C'est pas faux. Mais celle que vous avez est très convoitée. Elle vous met en danger. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Armand et au Breya. Oui, j'en suis conscient. D'ailleurs, je me demande ce qu'on peut ressentir quand on a sacrifié 3 vies pour 2 statues. Ce n'était peut-être pas voulu. Ça, c'est ce qu'on se dit pour se donner bonne conscience. Je vois mieux comment vous êtes. Vous n'êtes pas franc. Vous regardez partout autour de vous comme pour trouver un indice de je ne sais quoi. L'arme du crime. Non, je plaisante. Pas la police. Ils ont déjà perquisitionné, ils n'ont rien trouvé. Peut-être qu'ils n'ont pas bien cherché. Et vous, vous cherchez quoi? L'impossible. Allô? Greg, ça va? Oui. Tu m'en veux plus? Je pensais que t'allais plus m'appeler. Oui? Tout de suite? Ok. J'arrive. T'es foutu, Marco. T'as tué 3 personnes, tu vas prendre perpète pour ça. Par contre, si t'es gentil et que tu fais un effort, nous aussi on peut négocier. Tu réfléchis vite. Je veux le nom de ton complice et de ton commanditaire. Tu décides ? Claudio. Comment ? Claudio Varenne. On était ensemble au placard. Qui vous paye ? Ça, je peux pas vous le dire. Ah si, si, va falloir que tu fasses un petit effort, Marco. La proposition, elle va pas tenir toute la journée. Allez, accouche ! Dans un entrepôt. Zone industrielle nord. Une ancienne filature. Vas-y, magne-toi. Au 3e pilier. Il y a une bouche de ventilation. Vous dévissez, les statues sont à l'intérieur. On dirait que Marco s'est bien foutu de votre gueule. Ou alors qu'ils sont assez bien renseignés en face. Vous avez remarqué? Ils ont toujours un coup d'avance. C'est curieux, non? Attendez, attendez, j'ai pas bien compris, là. Vous auriez dû me parler de cette histoire d'empreinte. Non, ce que vous ne supportez pas, c'est que je me méfie de votre père, c'est ça. Ce que je ne supporte pas, c'est que vous vous méfiez de moi. Vous croyez qu'on doit être suspect, père en fille? Que ça se transmet génétiquement? Non, non, je travaille avec méthode dans le souci de la procédure. Nuance. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous me faites mal. Écoutez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Excusez-moi cette réflexion, mais quand je vois Armand Desrosières et vous à côté, j'ai du mal à vous imaginer ensemble. Vous avez tort. Nous partagions la même passion.
L'amour n'est pas un sentiment. C'est un art. Paul Morand. Nous aimons les mêmes auteurs. On est fait pour s'entendre. À quoi vous jouez? Moi, je joue pour la bonne cause. C'est vous qui jouez avec moi. Avec la vie des autres, les sentiments des autres. Elle, dans le carnet de Grégory, c'était vous? Pas du tout. Vous l'avez bien manipulé avec vos grandes phrases, vos grandes théories sur l'art. C'était facile pour vous. Le pauvre, il n'a que 18 ans. Vous vous trompez. Maintenant que ses parents sont morts, qu'est-ce que vous comptez faire avec lui? Vous n'avez rien compris. Oui, j'ai rien compris. J'ai peur de comprendre. Ouais, papy. Non, je suis pas sortie. Enfin, si, juste pour aller voir Greg chez sa tante. Vali, s'il te plaît, écoute-moi bien. Tu n'entres surtout pas. Repars immédiatement, Grégory est dangereux. Mais qui raconte, là? Mais c'est quoi le délire? Pourquoi? Viens, reste pas ici. Vali, tu m'entends? Vali, t'es où, là? Vous non plus, vous n'êtes pas clair. Vous m'avez embrassé dans le bureau. Je vous ai embrassé? Non, vous m'avez embrassé. Moi? Oui, et ce qui est arrivé ne m'a pas empêché de faire mon travail. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire tomber mon père. Ne me touche pas à lui, c'est non négociable. Ah non, vous n'allez pas recommencer! Vous m'avez embrassé et je vous ai giflé. Vous vous en souviendrez? Oui, quoi? Vali est chez la tante de Greg. Greg sortait avec Sandra. J'arrive. Il faudrait aussi cueillir Sandra. Je l'ai un peu forcée à rester chez elle. Je vois Eric. Eh oui, c'est elle la responsable. C'était qui? Personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu te méfies de moi? Écoute, j'y vais, Greg, mon grand-père. Justement, tu restes ici et ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'appeler ton grand-père et puis tu vas lui demander gentiment de m'amener la statue. Attends, de quoi tu parles? Quelle statue? Vali, j'ai pas envie de te faire de mal. Hein? Non. Me dis pas que t'as volé tes propres parents. Arrêtez ou je tire! Vas-y, pars-toi! Repose ta arme. Arrête! Arrête! Je t'ai dit de poser ton arme! Tais-toi, tu peux pas comprendre, toi t'es entouré de gens qui t'aiment! Mais toi aussi, tes parents t'aimaient. Ils m'aimaient pas. Pas plus que leur putain de bibelot. Qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'on me donne? C'est pas possible. Il sort avec une femme plus âgée. Alors forcément, ça coûte cher. Vous m'espionnez? C'est pas à moi d'entretenir cette bonne femme. Mais j'entretiens personne, vous comprenez rien. Ce que je comprends surtout, c'est que c'est pas moi qui vais sponsoriser ta folie des grandeurs. Et vous voulez pas la folie des grandeurs? Vous vivez dans votre connerie de musée, là. Je suis moins important que vos bibelots. Bien sûr qu'il t'aimait, Greg. Non, je crois pas, non. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Vous reculez! Je sais tout pour Sandra. Sandra, elle dit des conneries. La parole de Sandra contre la tienne. Barrez-vous, là! Greg, regarde-moi. Je suis ni flic, ni juge. Fais-moi confiance. Je veux les statues maintenant, là! Ce que tu as fait, c'est très grave. Mais heureusement, t'as pas de sang sur les mains. On sait que t'as été manipulé. Alors, s'il te plaît, relâche Vali. Je suis foutu, là! Moi aussi, ça m'est arrivé de merder. J'ai pas vu ma fille grandir. Allez, Greg. Allez. T'enfonce pas plus. Quoi, ce couteau brûlé? C'est fini, Greg. Donne tes poignets. Allez, dépêche-toi. Ça va, c'est fini. Et maintenant, dis-moi où sont les statues. Là. Dans le sac, là? Je suis désolée, Grégory. Nous allons te mettre en garde à vue. Sandra a déjà été arrêtée, mais ne t'inquiète pas, elle ne te chargera pas.
suis désolée, Valy. C'est la dernière chose que je voulais que tu vives. En fait, c'est de famille. Hein. Non, mais c'est vrai, Alex a épousé la femme qu'il a dénoncée à la police. Toi, t'es tombée amoureuse d'un voyou et quand c'est un flic, c'est lui qui a arrêté ton père. Fallait que je tombe sur un mec pas normal. Ça aurait été trop facile. Maintenant, il faut que tu te concentres sur ton bac. Oui, oui, t'inquiète. Et sérieusement. T'as rassemblé les trois? Je voulais les voir une dernière fois. Eh bien, tu iras les voir au musée. C'est la propriété de l'État maintenant. Oui, je sais. Attends, c'est grâce à lui tout ça. Il déménage plus? T'as raison. On devrait peut-être revoir son bail 369. Allez, encore un petit effort. Je serai sage comme une image. Mmh. Puis moi, ça me fait plaisir de vivre à côté de Degrasse. Pff, le faillot.